Bonsoir. Bonsoir et bienvenue. Non, je ne chante pas. Bonsoir. Alors, bonsoir, bienvenue. Si vous êtes nouveau par ici, voilà, j'ai mon invité qui est là. Hello. Coucou, Ça va? ça va très bien. Et toi? Je vais très bien. Alors, on a annoncé ce direct depuis le début de semaine. Oui, effectivement. J'ai appelé ça ma première fois. Avec la cam. Comment? Désolée, j'ai un petit peu avec la cam. D'accord. Très très bien et c'est bon. D'accord. Donc, je vais faire les présentations et on va y aller. C'est bon? Donc, alors moi, si vous êtes de nouveau par ici, je vous souhaite la bienvenue. Moi, c'est Elena Miroka, je suis maman, je suis chef d'entreprise, serial entrepreneur, notamment dans le domaine de la communication et du commerce. Je suis écrivaine, j'ai 5 ouvrages à mon actif, 2 ouvrages collectifs et 3 ouvrages personnels, dont le dernier, il est au programme scolaire au Bénin. Je suis également présentatrice télé-radio. Et ce soir, je suis en ligne avec Sui Fatem, qui est Miss Côte d'Ivoire 2018. Oh, vous m'entendez faiblement, donc je vais essayer de parler un peu plus fort. Donc, je suis en ligne avec Sui Fatem, qui est Miss Côte d'Ivoire 2018 et serial entrepreneur également. On est là pour qu'elle nous raconte sa première fois, je vais dire une première fois. Non, là, on va redescendre. Une première fois. OK, on va parler également de son actualité et on va un peu parler de l'entrepreneuriat. Est-ce que j'ai bien fait les présentations? Oui, c'est super. OK, alors on va pas traîner. On va aller très, très, très vite. Moi, j'ai hâte d'entendre ta première fois. D'accord. Ben, est-ce que vous m'entendez, les abonnés? Tout le monde est là. Est-ce que vous m'entendez? Tu m'entends, Elena? Oui, je t'entends très bien. Ok. Première, je vais la raconter. C'était avec ma petite soeur. Ok. Et ma petite soeur, je lui donnais des réponses sur la vie. Je me souviens. J'ai du mal à t'entendre. Tu m'entends? Là, c'est bon. Ok. On avait eu des petites histoires parce qu'elle voulait faire comme moi, des choses comme ça. Et elle m'empruntait mes vêtements, des choses comme ça. Okay. Et un jour, j'ai pété un câble. Ok. Et comme j'ai pété un câble, j'ai voulu garder mon sang-froid en tant que grande sœur, bien évidemment. Donc, je l'ai fait asseoir et c'était ma première fois de parler à quelqu'un, mais de parler très sincèrement parce que c'était important pour moi qu'elle sache quelles sont des valeurs et des principes. Donc, comme ça, je l'ai fait asseoir et je lui ai dit, Sarah, ma petite soeur, elle s'appelle Sarah, et je lui ai dit, Sarah, tu sais, dans la vie, il y a des choix. Et heureusement pour nous, on est notre libre arbitre. Donc, on va sur la base de tu es une femme et ça c'est quelque chose de merveilleux. Tu as la possibilité de faire des enfants, ça c'est quelque chose de merveilleux, même si je n'en ai pas encore. Pour l'instant, c'est pas la priorité. Effectivement, ce n'est vraiment pas la priorité pour le moment. Donc c'est comme ça, je lui parle, je lui dis Sarah, tu sais. La vie, ça s'accompagne de choix, ça s'accompagne de principes. C'est vrai, tu veux faire comme moi, mais il faut que tu aies une personnalité. Il faut que tu saches d'où tu viens, où tu vas et qui tu es. Parce que c'est important. Moi, je ne suis pas toi. Tu ne peux pas être moi.
tu peux peut-être copier les aspects positifs que j'ai. Même pas copier, ça peut peut-être t'inspirer. Mais tu ne peux pas être comme moi. Donc, c'est comme ça, je lui ai parlé et tout. Et je lui ai dit, tu sais, moi, je veux devenir une femme d'affaires et une femme d'affaires puissante parce que les réalités de la vie et les réalités de la société nous emmène à croire beaucoup de choses et je ne veux pas que tu puisses prendre épaule sur un homme ou sur encore ta beauté. Je veux que tu travailles ton mind pour que tu puisses devenir quelque chose dans la vie. Et je parlais comme ça et j'ai commencé à pleurer. Et j'ai commencé à pleurer parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée. Et voilà un peu ma petite première, c'est-à-dire donner des conseils à quelqu'un, parler à quelqu'un de manière très sociale. Donc, ta première fois en tant que dada, c'est comme ça. On va dire comme ça. Ok, c'est génial ça. Eh bien, tout à l'heure, je rappelle à ceux qui sont en ligne, en direct, que vous pourrez en poser des questions hein, à Sufatem, elle va répondre. Mais en attendant, je vais rapidement ressurgir sur le deuxième point, c'est-à-dire qu'on va parler de ton actualité. Tu parlais d'être femme d'affaires et tu es une femme d'affaires. Et à ton jeune âge, tu cumules déjà, je crois, 3 entreprises. Oui, c'est bien ça. On a découvert Sui Baby. On a découvert ensuite Sui Coquette et ensuite, il y a quelques semaines, Sui Clean. Oui. Alors, moi, ma première question, c'est comment à ton jeune âge, tu arrives à cumuler ces 3 entreprises? Déjà, je pense que c'est parce que je me suis forgée un moral. Et en tant que jeune fille, il est important pour moi et vu ma visibilité en tant que Miss Côte d'Ivoire, de communiquer sur ce que j'aime faire. Qu'est-ce que j'aime faire? J'aime créer, j'aime innover et j'aime croire l'impossible. Mais pour moi, l'impossible, ça n'existe pas parce que tant qu'on a toutes ces facultés mentales et on a ces 5 sens qui vont avec, tout est possible. Tout est possible. Et quand on est jeune, puisque moi, j'ai connu ça en tant que chef d'entreprise également, j'ai démarré à pratiquement au même âge que toi, il y a 10 ans de cela. Ah, ok. Et j'ai été confrontée à quelque chose qui était de recruter des gens qui étaient plus âgés que moi. Ouais. Alors, toi, comment tu gères ça? Alors, ce n'est pas évident parce qu'il faut trouver la manière pour communiquer sans frustrer, de telle sorte que les gens arrivent à donner le meilleur d'eux-mêmes dans ce qu'ils font et qu'ils soient à l'aise, en fait. Ce n'est vraiment pas évident, mais je pense que le plus important, c'est la communication et, comment dirais-je, la manière de rassurer les différentes personnes, de telle sorte à ce qu'ils se sentent intégrés dans ce que vous faites pour pouvoir prendre ça comme si c'était pour eux et donner le meilleur d'eux-mêmes. Et donc, tu n'as jamais eu d'affront de collaborateur ou collaboratrice? Non. Pour le moment, je n'en ai jamais eu, mais j'arrive à rassurer mes employés, j'arrive à parler avec eux. Quand il y a un problème, j'essaie de des fois descendre un peu la garde parce que c'est vrai, on est chef d'entreprise. Mais le plus important, c'est les collaborateurs. Parce que comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire, c'est 2 mains qui se lavent. Et on ne peut rien faire tout seul. Il faut toujours être accompagné et surtout tomber sur les bonnes personnes. Et je dis quelque chose toujours, c'est la personnalité qui influence sur les intentions des gens. Donc, c'est sur ça que je fonctionne. C'est génial. Alors, aujourd'hui, nous sommes en train de traverser une crise qui est internationale, qui est mondiale, je vais dire. Et je sais qu'en tant qu'entrepreneur, tout le monde reçoit des coups. Ce n'est pas évident, les choses, il faut fonctionner avec la pandémie. Comment, en tant qu'entrepreneur, tu gères ça, cette crise? D'accord. Déjà, ce n'est pas évident parce que moi, je fais du commerce et du coup, j'importe ce que je fais. Donc, étant donné que les frontières, c'est un peu compliqué, c'est fermé, donc ce n'est pas évident. Mais le plus important pour moi, c'est de s'adapter en fonction de chaque situation.
Donc, on essaie de respecter les mesures de prévention. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. 5 sur 5. Okay. Donc, du coup, on essaie de respecter les mesures de prévention. On met le masque, on met le cache-nez. On demande à ce que les gens se lavent les mains avant d'entrer dans les différentes cuisines. Et voilà, on essaie de rassurer les gens pour leur dire que c'est vrai, il y a la maladie, mais vous pouvez aussi nous aider à vous aider aussi. Mais c'est tout ça. En respectant les mesures de prévention, parce que s'il n'y a pas de mesures, c'est sûr que tout le monde va choper la maladie. Oui, une mesure de prévention, mais je vais aussi dire qu'il faut parfois discipliner des gens. Je vais te raconter une petite anecdote. J'étais à la pharmacie il y a une semaine et c'était mon tour de passer à la caisse. Et une fois à la caisse, il y a un monsieur, j'avais des gens derrière moi qui ont respecté les mesures en fait, 1 mètre de distance. Jusque-là, tout va bien. Mais à ma grande surprise, un monsieur quitte le comptoir, il vient directement à la caisse, il vient juste à côté de moi. Oh. Et donc j'étais comme ça, I was like, ok, monsieur, vous êtes sérieux là? Mais vous êtes sérieux? Et donc, il me regarde et à la limite, je risquais de paniquer. Qu'est-ce qu'il fait? Il enlève son masque pour me dire quoi? J'ai dit wow! Wow! J'ai dit, mais vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux là? Les 1 mètre de distance, c'est ça? Et tout le monde était en train de le regarder, mais qu'est-ce qu'il fout? Donc, il faut dire que parfois, il faut discipliner les gens. Oui, il faut sensibiliser les gens surtout parce que déjà tu as dit quelque chose, enlever même le masque pour parler, ça c'est chaud parce que supposons que la personne postille. C'est ça, c'est vite arrivé. Effectivement, je suis du même avis que toi. Il faut discipliner les gens. Mais c'est en parlant aux gens, en communiquant avec eux, en les rassurant et en leur faisant comprendre que la maladie, elle est bien réelle. C'est vrai qu'en Afrique, c'est compliqué. Mais là, actuellement, en Côte d'Ivoire, on a plein de cas. Je crois qu'on part dans les 8000 cas maintenant. Okay. Et les gens commencent à prendre conscience qu'effectivement, c'est bien réel et... Du coup, ils essaient aussi de s'impliquer. Vous savez, pour nous, ce n'est pas évident parce qu'on a des marchés qui sont communs, on a des boutiques qui sont communes et c'est compliqué pour nous de comprendre certaines choses qu'on n'est pas habitué à voir. C'est-à-dire que tant qu'on ne voit pas, on ne croit pas. Mais maintenant, pour le moment, ça va. Ouais, il faut, c'est important qu'on le dise, hein, la COVID, c'est une réalité. À Cotonou, au Bénin, je veux dire, on est à 1199 cas confirmés et avec 845 personnes encore sous traitement. Donc, alors, nous allons revenir, justement, on parlait d'entrepreneuriat, l'idée c'est d'inspirer. Et on a très bien commencé, hein, donc Sui Fatem nous a raconté la première fois où elle se retrouvait dans le rôle de Dada, donc... Oui, effectivement, je me trouvais dans le rôle de maman, carrément. Et c'était sûrement une très belle expérience. Alors, dis-moi, Sui Fatem, entreprendre équivaut à difficulté également? Oui, bien évidemment. Il y a beaucoup de difficultés. C'est pas tout rose. Oui, ah non, c'est pas tout rose parce que des fois... On a le coût qui est élevé comparé aux marchandises. On a les employés, des fois, qui sont restreints. On a la demande qui est forte. Mais le plus important pour moi, en tant qu'entrepreneur, c'est de savoir s'adapter à tout type de situation. Et surtout, savoir gérer et garder son calme. Parce que quand vous voulez aller dans le sens de la pression et suivre un peu... le mood, vous allez vous faire. Le plus important, c'est de garder sa propre voix, savoir où on veut aller, quel objectif on veut atteindre, se donner des règles et des principes, et suivre cela en fonction. Et surtout, ne jamais oublier que le client, il est roi. C'est ça. Le client, il est roi. Alors, quelle est la place du soutien dans l'entrepreneuriat? Est-ce que Sui Fatem a été soutenue moralement, financièrement, quand elle a décidé d'entreprendre?
Oui, Sui Fatem a été soutenue moralement, et je suis toujours soutenue par ma famille, plus précisément par ma tante qui est dans les affaires. Ça fait 18 ans, elle s'appelle Estelle Batois. Elle a une boutique, elle a 7 boutiques de vêtements à Abidjan. Donc voilà un peu, je suis toujours encouragée par elle, même quand c'est difficile, elle arrive toujours à me parler, à me dire ce qu'il faut faire et tout, à savoir gérer mon calme et tout. Et c'est surtout ça ce qui est important. Financièrement, bien évidemment, j'ai été accompagnée, mais ce n'est pas ça le plus important. Ce n'est pas ça le plus important. Alors justement, que dirais-tu à les gens qui nous regardent actuellement et qui souhaiteraient peut-être entreprendre, qui n'ont pas forcément ce soutien moral ou ce soutien financier? Okay. Qu'est-ce que tu voudrais dire? D'accord. Déjà, la première chose que je dirais, c'est sur deux volets, c'est sur deux aspects. Soit on décide de faire les affaires par passion, parce qu'on aime ce qu'on veut faire, ou soit on décide de faire les affaires parce qu'on veut gagner de l'argent. Donc, mais le plus important, c'est d'avoir de la volonté et vouloir et savoir ce qu'on veut, en fait. Ok. Donc, c'est plus ou moins ça. Alors, on va commencer par prendre les questions, si tu es d'accord. Oh oui, il n'y a pas de souci, vas-y. Alors, quelqu'un me demande, est-ce que le titre de Miss Côte d'Ivoire t'a-t-il aidé à tes débuts? Oui, bien évidemment, le titre de Miss Côte d'Ivoire m'a aidé et continue de m'aider parce que... vous savez, si je n'étais pas Miss Côte d'Ivoire, bien évidemment, je suis une belle femme, mais je serais une femme comme tout le monde. Miss Côte d'Ivoire, ce n'est pas Miss de quartier, c'est Miss d'un pays. Donc, évidemment, ça me donne de la visibilité vis-à-vis de mes affaires. Que tu as su très bien gérer, parce qu'il faut savoir aussi en profiter, savoir gérer, en fait. Ça me donne des opportunités, ça m'ouvre un carnet d'adresses, ça me donne un accès facile à ce qui serait peut-être difficile pour moi auparavant. Donc, du coup, ça a ses avantages et ça a ses inconvénients. Mais le plus important, c'est de garder le positif et savoir l'utiliser. D'accord. Alors, quelqu'un demande, tu viens de quelle région de la Côte d'Ivoire? Je viens de Vavoie. Je suis Gouro, Vavoie, c'est une région de l'Ouest. Et voilà, je viens de là. Alors, d'autres questions? Je vérifie. Est-ce que tu défends une identité particulière? Oui, c'est le naturel. Mais hormis ça, le plus important, je ne défends pas d'identité particulière parce que le plus important, c'est le personnage dans lequel vous vous sentez le plus à l'aise qu'il faut défendre. Donc, voilà. Alors, une autre question très rapidement. As-tu de bons rapports avec les autres Miss? Oui, j'ai de très bons rapports. Bon, écoutez, j'ai de bons rapports, mais je n'ai pas d'affinité particulière, par contre. Mais j'ai de bons rapports. Voilà, qui est clair. Alors, on a une autre question. Je crois que mes questions s'affichent également chez toi, n'est-ce pas? Oui, alors, effectivement. Alors, j'ai du mal à lire. De par où t'es passé pour te lancer dans les affaires? Où peut-on... Et prendre des conseils. Ok. Est-ce d'accord, que t'as compris? Déjà, oui, j'ai bien compris. Déjà, il faut que je précise, avant que je ne sois élue... Allô? Oui, c'est bon. C'est bon? Ouais. Ok, nice. Donc, il faut que je précise quelque chose. Avant que je ne sois élue Miss Côte d'Ivoire, j'étais déjà dans les affaires parce que j'avais une boutique de lingerie qui s'appelait Lingerie Fine by Maid. Maid qui veut dire Marie-Daniel qui fait partie du prénom. Donc, c'est quelque chose que j'aime faire. Je n'aime pas dépendre des autres. J'ai ma fierté, j'ai ma dignité. Je suis quelqu'un de très fier. Après, il y a peut-être mon sang bourreau qui revient, mais voilà. Alors, serais-tu prête à aider une jeune fille pour le concours Miss si elle est belle vraiment? Oui, mais après, c'est vrai que c'est un concours de beauté, mais il ne faut pas qu'avoir la beauté, il faut avoir aussi le mindset.
parce que ça s'accompagne. Et Miss Côte d'Ivoire, bien évidemment, quand vous êtes présélectionnée, vous faites un concours d'intellect, vous faites un concours psychologique, et c'est en fonction de ça que vous êtes élue. Alors, justement, quelqu'un pose la question et puis j'ai pensé aussi la poser. On te retrouve depuis, on voit des teasers passer depuis un moment. Et donc, du coup, les Lifers sur Life TV, tu nous en parles un peu ou c'est que tu nous donnes le programme? Dis-nous quelque chose. D'accord, les Lifers, c'est une émission où il y a moi, il y a Biscuit de mer, André Coco et Mia. Vous avez Nathalie Koa, vous avez Emma Loès, c'est quelque chose de très intéressant. Donc, restez connectés, restez branchés. Ça sera diffusé très bientôt et voilà. Alors, on a juste à peine 2-3 minutes encore à passer ensemble. On va prendre encore quelques questions. Quelles sont les activités rentables que tu conseillerais à quelqu'un qui veut débuter dans l'entrepreneuriat? D'accord. Déjà, moi, je n'ai pas de domaine particulier parce que pour moi, il n'y a que le risque qui paye. Tant qu'on ne prend pas de risque, on n'est pas entrepreneur. Il faut prendre des risques. Donc, soit vous le faites parce que vous voulez gagner de l'argent ou soit vous le faites parce que vous aimez la chose. Mais tout va dépendre de votre étude de marché et comment vous projetez la chose. C'est très pertinent. Et aussi ce qui fait la différence vis-à-vis des autres activités. C'est ça, la valeur ajoutée, c'est très important. La valeur ajoutée. Alors, quel conseil, je crois qu'elle a déjà répondu à ça. Quel conseil donnes-tu aux jeunes filles qui veulent entreprendre et qui hésitent? Alors, justement, moi, je veux plus m'attarder sur l'hésitation. Donc, je crois que c'est la peur de prendre le risque, en fait. C'est ça? Pour moi, il ne faut pas avoir peur de prendre des risques parce que les risques, ça fait partie de notre quotidien. Les risques, ça fait partie de la vie. Les risques, c'est nous. C'est nous qui sommes des risques parce que même le matin, le soir, vous vous couchez, le lendemain, vous mourrez. Et ça, c'est un risque. Mais vous ne pouvez pas programmer. Donc, le plus important, c'est de se lancer. Si vous avez une idée en tête et que vous savez que c'est rentable pour vous et que ça peut vous être bénéfique, il faut vous lancer là-dedans à fond. Et peu importe le niveau de risque, c'est de savoir le surmonter, savoir gérer. Et c'est ça qui va vous définir, en fait. Et c'est ça qui va définir aussi votre business. OK. Alors, merci beaucoup, Suifatem. C'était un plaisir de t'avoir. Est-ce que les Lifers seront sur YouTube? Je sais pas. Je crois que Life TV n'est pas dans les autres pays, c'est ça, hein? Encore oui, pour le moment, on n'est pas encore dans les autres pays, mais ça ne saurait tarder en tout cas. Donc, restez connectés. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous fais plein de bisous. Suifatem, merci. Tu es toujours radieuse. Et moi, je vous donne rendez-vous dimanche prochain. Je serai en direct avec Emmanuel Keita. Elle va nous raconter sa première fois. Et voilà, restez branchés, restez connectés. Bisous.